pas de soucis. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour les repas qu'on a eu, pour tout ça. Bravo, merci de cuisiner. Voilà, tous les gens. En fait, on vous dit tout. Alors on va tous battre le virus. Si Dieu veut, dans 2-3 mois, il n'y en aura plus, c'est fini, on n'en parlera plus. On va le battre parce qu'on est fort, parce qu'on se confine, parce qu'on fait attention. Et parce que c'est une super équipe médicale. Parce que c'est du collectif. On va pouvoir le battre collectivement, pas individuellement. Si chacun fait très attention, et ben il va partir. Et le Maroc, c'est un exemple, franchement. Parce que vous êtes confinés beaucoup plus tôt que les Français. Vous avez fermé les frontières plus tôt. Et vraiment, vous êtes un très très grand pays parce que vous avez pris les décisions plus rapidement qu'en Europe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de cas au Maroc. Moi, je regrette de l'avoir ramené France. Et je culpabilise beaucoup. La distance, il faut respecter la distance. Voilà, aujourd'hui, je suis content vraiment que... La distance. Voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes contaminées. Et que... Vous êtes bien pour votre pays. Vous méritez vraiment. Alors on va tous battre le virus. Si Dieu veut, dans 2-3 mois, il n'y en aura plus, c'est fini, on n'en parlera plus. On va le battre parce qu'on est fort, parce qu'on se confine, parce qu'on fait attention. Et parce que c'est une super équipe médicale. Parce que c'est du collectif. On va pouvoir le battre collectivement, pas individuellement. Si chacun fait très attention, et ben il va partir. Et le Maroc, c'est un exemple, franchement. Parce que vous êtes confinés beaucoup plus tôt que les Français. Vous avez fermé les frontières plus tôt. Et vraiment, vous êtes un très très grand pays parce que vous avez pris les décisions plus rapidement qu'en Europe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de cas au Maroc. Moi, je regrette de l'avoir ramené France. Et je culpabilise beaucoup. La distance, il faut respecter la distance. Voilà, aujourd'hui, je suis content vraiment que... La distance. Voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes contaminées. Et que... Vous êtes bien pour votre pays. Vous méritez vraiment. Merci beaucoup. Ah, l'hospitalité des Marocains, si forte comme ça, c'est beau.